sur la voie ferrée. Je répète, ça roule sur la voie ferrée. Individu bloqué, individu bloqué. Individu mort, je répète, individu mort. Hello? Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. Prendre son service, gilet pare-balles, gilet jaune. Bonjour, sergent. Bonjour, Macadams. Comment allez-vous? Oh, écoutez, ça va, et vous-même? Ouais. Ça va, merci, ouais. Oh, je vois que vos cheveux ont déjà repoussé. Ouais, ça commence tranquillement, ça commence à revenir. Ok, super. Je vous fais un petit rapport de situation, Macadams. Il s'est passé quelques petites choses là avant que vous arriviez. D'accord. Nous avons un gros souci entre Monsieur Orflem et Monsieur Dos Santos, donc deux médecins, d'accord, qui ont été recrutés par Pôle emploi. Et voilà, il y a des différends entre ces deux hommes. Apparemment, Monsieur Orflem s'amuse à faire des appels bidons pour que Monsieur Dos Santos se rende sur les interventions bidons, pour que lui prenne les vraies interventions. Vous voyez un petit peu le délire. Oh, super. Voilà, donc j'ai voulu entendre les deux parties. Ils sont arrivés au commissariat et le problème, c'est qu'ils ont. On était en train de parler avec le cadet Rodriguez, on était en train de parler avec les frères Montanagro et ils étaient devant le commissariat et ils ont commencé à se battre. Et Monsieur Orflem a fini dans le coma, donc Monsieur Orflem a évidemment déposé plainte contre Monsieur Dos Santos. Oh. j'ai ensuite essayé d'entendre Monsieur Dos Santos sur la situation. Monsieur Dos Santos était tellement énervé, tellement remonté, qu'il en est venu à me manquer complètement de respect. Donc je l'ai mis en garde à vue, il est actuellement en cellule en bas. D'accord. Voilà, on a limite un code HRP. Hein. Je préfère vous prévenir, hein, parce que c'est compliqué à gérer. Je me doute, puisque je vais être honnête avec vous, sergent, j'ai eu des messages, des mails, si vous comprenez, de la part de Monsieur Dos Santos, et je lui ai pas répondu parce que, voilà, comme je vous ai expliqué, j'étais parti au cinéma. Et je me suis douté un peu qu'il était pas forcément très content par rapport à Monsieur Orflem, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais, donc à mon avis, je pense que leur histoire de monter leur entreprise, je pense que ça va poser problème. Et voilà, bon après, l'affaire est en train d'être réglée au niveau gouvernemental. J'ai contacté le gouvernement pour qu'il puisse régler le problème. Le procureur est actuellement en train de régler le souci. Donc on va certainement avoir des nouvelles et je vous tiendrai au courant. Mais c'est pour information que nous avons Monsieur Dos Santos qui est en cellule en bas. Il m'a énormément manqué de respect, il m'a très très mal parlé. Donc voilà, je le laisse en bas tant que l'affaire n'est pas réglée. D'accord, je peux me permettre d'aller le voir au cas où? Vous pouvez essayer de le ramener à la raison parce que avec moi la conversation est très limitée. Vous pouvez tenter. Si vous voyez que ça dégénère trop, parce que Monsieur Dos Santos a tendance à monter dans les tours très rapidement, si vous voyez que ça dégénère trop, vous coupez court à la conversation et puis on va pas perdre de temps avec cet individu. Oui, pas de souci. Bah, vous pouvez me faire confiance, sergent. Ah oui, je sais. Je sais que je peux vous faire confiance, Macadam. Ok. Et je vais prendre l'état de situation de Rodriguez et puis on va voir si on part en patrouille après. D'accord. Ouais, d'accord, ça marche, sergent. Pas de souci. Voilà, je vous laisse le commissariat. Ok, pas de souci. Et ben là, Maintenant Dos Santos. Maintenant. Oui, oui. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, monsieur. Très calme. monsieur. Enchaîne-le. Merci. Et là, c'est quoi ce bazar là? Eh. Ah.
Golf 4, vous revenez à l'accueil du commissariat, et vous jetez un œil sur, sur Monsieur Dos Santos parce qu'il est censé être en cellule. Je vais voir ce qui se passe en bas. On reprend RP les gars, il va falloir, Tom, va falloir que tu t'expliques tout ça à Max, hein. Jenkins ou Duroy, n'importe. Ah ouais, pas de soucis. McAdams. McAdams. McAdams, est-ce qu'il faut que je fasse un appel médecin? Ouais. Ah, j'ai mal. Golf 4, Golf 4, vous êtes avec, Dos Santos? Ouais, ouais, mais il est sorti quoi, par Tom. Ok, ouais, il est en haut. J'ai besoin de soins urgents là, sur McAdams qui est à terre en bas dans les cellules. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Ok, bah j'appelle. Amenez Dos Santos. Amenez Dos Santos. Non, non, monsieur Dos Santos. Ouais, c'est dommage, ouais, mais. Allez, McAdams, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. J'ai mal. Bah, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Est-ce qu'il y en a un que je sais pas. Je sais pas s'il avait le droit de rentrer par derrière le commissariat. Vous faites attention, Golf 4, apparemment il y aurait un individu qui serait rentré dans le commissariat. Il est peut-être encore, dans le coin. Ok, bien reçu, ça fait très mal, meurtre. Ça fait très très mal, tu sais. Préconisez quand même l'arme paralysante si la personne n'a pas d'arme sur lui. Monsieur Dos Santos, est-ce que vous pouvez, oui. voir pour mon collègue, s'il vous plaît. Par contre, messieurs, juste, il y a le gouvernement qui m'a appelé. Il y a le gouvernement qui m'a appelé au téléphone. Je dois répondre. Je peux le réanimer et partir au gouvernement. Bien sûr. Réanimez-le. Faites un appel. Je vais faire l'appel. Et je me mettrai en cellule, vous me mettrez en cellule, je vous enverrai un petit message. Écoutez, l'appel ne fonctionne pas. Bah alors je pourrais pas la réanimer, c'est le problème. McAdams, c'est ce que vous pouvez faire un appel? Eh non. Et voilà, j'ai perdu 3 000 $. Bon ouais, je manip. Reprise du service pour Golf 3 Central. Oui, c'est reçu, Golf 3. Je suis actuellement avec deux médecins devant le commissariat. Le cadet Rodriguez est en bas. Reçu. Et je vous rejoins, sergent. Alors, gilet pare-balles, on n'est pas trop mal. On a un beau... Et ensuite, pour t'expliquer, j'ai un gilet jaune. C'est pour préciser que je suis cadet. Donc voilà, je suis là pour le métier. Là, on va aller rejoindre mon sergent. Pas de soucis, t'en fais pas, c'est peut-être mon côté, ouais. Ouais, peut-être. Oui, c'est ce que je vais faire. Vous avez déjà eu affaire à la police, Monsieur Putrov, ou pas? Dans la tête. Non, je connais juste une personne dans la police, mais non, j'ai rien eu. Bleu quoi, Béli? Non, mais pas forcément quelque chose de grave, mais si vous avez. Moi, tout, merde. Si on a eu un dossier administratif vous concernant, pas forcément pour quelque chose d'illégal, hein, on s'entend bien. Ah oui. Mais si on a dû affaire à vous, en fait, on aurait dû noter votre numéro, c'est comme ça que j'aurais pu le. Ouh là là, monsieur! Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Oula! Il va falloir se calmer, monsieur. Oui, c'est mon stagiaire, il est un peu. Il est chauffe, quoi. Alors là, monsieur, je vais vous demander de vous écarter. Ah oui, là, vous pouvez le contrôler, là. Il fait des attaques, je vais vous demander de vous écarter, là, monsieur. Écartez-vous, allez contre le mur, là. Regardez le mur. J'ai oublié de prendre mes armes. Calmez. Il y a une expression que tu connais pas, cadet ou bleu bit. Bleu bit, non, ça me parle pas, ça, bleu bit. Pourtant, j'ai 38 ans, quelques expériences. Et. Le bit, non, je connaissais pas cette expression là.
Hop. Bon, la situation est calme. Eh bah écoutez, ouais, quelle surprise. Ouais, ça n'a pas l'air de fonctionner. Pas trop. Vous êtes sûr que vous n'avez pas oublié vos bandages à l'intérieur? Sûr et Expression d'une heure. Ah, t'as un schnorr? Ah bah oui, t'as 49. Oh bah écoutez, Tu es d'où? parfait. Voilà. Tu es d'où d'un schnorr? Nickel. Pour dire De recrue, toute façon, quoi. j'avais une égratignure, hein, donc je me suis mis un petit pansement, c'était très vite fait. Ouais, excusez-moi, mais Bon. là, ce soir, c'est Non, mais difficile. c'est. C'est pas votre faute, c'est pas votre faute. Je vous invite à faire un rapport de ces petits soucis sur le site communautaire Oui, concernant les c'est ce que je médecins. vais faire avant d'aller je pense. Je vais poser mon petit D'accord. tir. Merci beaucoup. Et logiquement, enfin, je comprends pas trop parce que logiquement, ça devrait fonctionner. Ça marchait très très bien Télé, hier, d'accord. donc voilà. Alors, pour ton info, À là, mon avis, moi, c'est le temps que le gouvernement s'en occupe et j'habite puis dans le ça devrait centre. revenir demain. Et je Ouais, passe doit y avoir tous les des ans, je problèmes de passe mes satellite. Ouais, un vacances. jour sur deux, je crois. Dans le Nord-Pas-de-Calais. À mon avis, oui. Ok, très bien. Bon, Bah je écoutez, crois que je suis le seul si ça revient dans la soirée, à j'hésiterai monter dans pas le à faire Nord quand appel au tous les service. gens ils partent Et dans le puis sud pour prendre sinon, le soleil. bonne soirée à vous. Bah oui, bah, bonne soirée à vous aussi. Et puis je vais emmener le stagiaire, je vais lui mettre des coups de calmant, je pense. Il y en a à D'accord, l'hôpital, oui. ça. Pas forcément Ouais, que des essayez de le calmants calmer qu'il un petit faudra lui peu, ouais. mettre, docteur. Mais je pense. Ah oui. On a des choses à faire, nous. Merci, messieurs. Hein, bon courage à vous. Pas de rien. Puis Merci, bon hein. courage à vous aussi Reposez-vous, parce monsieur. que Hein. pour la Ouais, je radio, ça pense va être dur. que. Allez, stagiaire, tu te relèves là. Allez hop, au travail. C'est pas. Non, mais c'est quoi cette attitude, tu veux. Bon, on va aller voir un peu la situation là. Bon, Macadams, vous avez réussi à parler à Dos Santos ou pas? Bah, du coup, non, j'ai pas pu. Je suis arrivé, je vous dis, quand je suis arrivé, il y avait quelqu'un qui était derrière le bureau en bas, et il est arrivé par derrière, et puis il m'a frappé, et voilà, je suis tombé dans les pommes. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps de Ah, lui bon. parler. Vous arrivez quand même à vous souvenir, vous avez bien de la chance. Ok, très bien. Bon, bah, de toute façon, là, ce qui s'est passé ce soir, c'est un petit peu compliqué. En plus, on n'a pas les pouvoirs à notre disposition pour pouvoir régler ce genre d'attitude qui rentre dans le cadre code HRP. Donc, du coup, c'était assez compliqué, je vous avoue. Mais là, ça devrait, à mon avis, ça va se calmer un petit peu. Je crois que Monsieur Dos Santos est en communication avec le gouvernement. Donc, logiquement, ça devrait se régler. Je l'ai senti un petit peu plus calme quand il est sorti de la cellule. Donc, ça devrait se régler. Mais je comprends pas trop les réactions. Comment j'ai expliqué ça? Monsieur Dos Santos, il a fait un projet quand même pas mal. Qui m'a l'air plutôt, comment dire, très ponctuel dans son travail. Oui, tout Et à fait, oui, je suis d'accord avec vous. voilà. Et ce soir, enfin ce soir, oui, avant que je parte au cinéma, j'ai vu que Monsieur Théo Orflem a fait aussi un autre sujet pour son entreprise. Et quand j'ai vu Exactement. ça, Et voilà, en j'ai fait, dit, c'est la base. voilà, c'est ça, c'est la base du C'est la conflit. base de. Voilà, exactement. C'est la base du conflit. J'ai vu Monsieur Dos Santos quand j'ai pris mon service. Littéralement 5 minutes après que j'ai pris mon service, il est venu me voir. Il m'a exposé tout le problème. Il était déjà très remonté contre Monsieur Orflem. Je lui ai dit d'attendre d'en référer au gouvernement et que le gouvernement s'en charge pour régler le problème. Et le souci, c'est que Monsieur Orflem est venu voler dans les plumes de Monsieur Dos Santos devant le commissariat, s'étant suivi des coups qui l'ont mis dans le coma. Donc Monsieur Orflem a fini dans le coma. Comme je vous ai dit, j'ai entendu les deux personnes et voilà, depuis Monsieur Dos Santos est très énervé et il est devenu vraiment très très violent, même à l'encontre des agents de police. Donc c'est assez compliqué à gérer la situation. Et puis bon, après vous, voilà, vous connaissez l'histoire, la suite de votre Ouais, histoire quand vous êtes tout à descendu en fait, cellule. sergent. Tout à fait. Voilà, donc va falloir redoubler de faire très attention ce soir, je pense. C'est clair. Est-ce que vous savez où est le cadet Rodriguez? Du tout, sergent. Bah, Alpha 4, votre Alpha 4, votre situation? situation? Je suis toujours actuellement avec l'individu dans la cellule. Ok, très bien Ok. reçu, très bien reçu. Est-ce que Individu s'est calmé. Au début non, et je lui ai dit de se calmer, maintenant il se calme. Il fait les 100 pas dans la cellule. Ok, très bien, ok, très bien. Et sergent, vous savez à qui appartient la voiture qui est devant là? La voiture La orange? voiture Orange? orange. Oh, pardon, j'étais sur la radio. Oui, c'est à Monsieur Jenkins, mais Monsieur Jenkins est toujours en voiture, mais je crois qu'il est en conversation téléphonique avec Monsieur Dos Santos, justement.
D'accord, en fait, monsieur Jenkins a beaucoup de véhicules de ce type-là. Tout à fait. Tout à fait. J'ai été assez surpris de voir ce véhicule arriver. Tous les jours, il a un nouveau véhicule et on peut dire que ce sont des véhicules assez tape à l'œil. Un petit peu beaucoup quand même. Hein. Oui, je crois qu'il aime bien étaler sa fortune devant les civils. Messieurs, je voulais faire ce briefing déjà beaucoup plus tôt dans la soirée. J'aurais aimé le faire dès le début de ma prise de service, mais bon, vous avez vu tout ce qui s'est passé, donc ça a été un petit peu compliqué. En l'absence de la commissaire, évidemment, bon, je suis le plus gradé. Vous comprendrez que c'est un petit peu compliqué de coordonner les forces de police avec les soucis qu'on a eus ce soir. Du coup, ce que j'aurais voulu faire ce soir, c'était faire des petits tests, mais vu comment ça bouge en ville, je pense qu'on va reporter ces tests à plus tard dans la semaine. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire des patrouilles. Je pense que ce serait bien qu'on montre notre présence en ville ce soir, vu comment c'est assez occupé dans les rues de Los Santos. Le problème, c'est que je pense que vous êtes au courant que le commissariat est un lieu où il y a beaucoup de passages. Donc j'aimerais quand même garder une unité au commissariat. Pour pas qu'une seule unité prenne racine ici, on va faire un système de roulement. On va faire donc une unité qui restera en position au commissariat, deux unités qui partiront chacun avec un véhicule en patrouille. Comme ça, on pourra parcourir plus de terrain. Sur Los Santos et on va donc faire un système de roulement où une unité relèvera l'unité qui sera au commissariat pour qu'elle puisse partir en patrouille. On va faire ça toute cette soirée. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près jusqu'à quelle heure vous êtes en service? Moi, il me reste une heure de service. Très bien. McAdams? Moi, je peux faire encore deux heures. 2 heures, très bien. Très bien, très bien. Bon, bah écoutez, on aura le temps de faire ce système de roulement. Du coup, est-ce qu'il y a un volontaire pour rester au commissariat? Bah, moi, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Vu que. Ah. Ok. Bah écoutez, Rodriguez, effectivement, c'est pas contre vous, mais comme vous avez fait pas mal de patrouilles ce soir, et je crois que McAdams n'a pas fait du tout, il me semble, on va faire le premier roulement comme ça. C'est vrai que moi aussi, j'ai pas eu l'occasion de faire de patrouilles ce soir, donc pour les 5... Et comme je suis moins gradé... Pas forcément, ce n'est pas une question de grade, Rodriguez. Hein. C'est vraiment pour essayer de contenter tout le monde. On va faire 5 jusqu'à 10 premières minutes et on va faire ça à peu près toutes les 10 minutes, hein, je pense maximum. Bien sûr, si l'unité qui est en position au commissariat a besoin de renfort, elle n'hésite pas à appeler les patrouilles. Il n'y a aucun problème, on fera un retour au poste hélico. Reçu. Ok, bien reçu. Très bien, on va faire comme ça. McAdams, vous avez accès au cruiser, je crois, en véhicule de service? Tout à fait. Très bien, donc ce qu'on va faire, c'est que vous sortez votre cruiser, moi je vais sortir l'interceptor. Comme ça, on aura un visuel sur le véhicule de service et savoir qui est dedans. Pas de soucis, sergent. Très bien, on y va. Allez, prise de patrouille. Vous pouvez disposer. Par contre, sergent, je dois aller Rodriguez. J'ai plus rien. Ouais. Ok, bah allez-y, prenez votre patrouille, McAdam, vous faites votre patrouille comme d'habitude et oui, n'hésitez pas à vous arrêter en supérette. Rodriguez, si vous voyez trop de passages au commissariat, vous n'hésitez pas à évacuer. Goff 3 appelle à l'unité, voiture de police embarquée par un civil. Vous pouvez poursuivre? Je suis derrière lui, oui. Ok, bien reçu. Gardez-le en visuel, si vous pouvez, ne mettez pas votre vie en danger, mais si vous pouvez, essayez de le neutraliser. Il est parti dans quelle direction? En direction du sud de Los Santos, il a pris l'autoroute à contresens, il est sur l'autoroute. Ok, très bien. Vous voulez du renfort toutes les Allez, en renfort, Golf 4.
Allez, renfort Golf 4. Je vous laisse. Là, c'est des boulets là qui nous font chier pour la soirée là. Les civils sont. Golf 2, vous êtes où? Golf 2, je suis au commissariat. Non, Golf 3. Sur l'autoroute en direction du nord-ouest, nord-est, j'ai perdu le. L'individu. Ok, bien reçu. Quelle couleur de la voiture? Voiture de police, Golf 3, 4. Ok, bien reçu. Ah, puis les PNJ font n'importe quoi. Golf 3, je suis en planque sous le pont de Olympique là, voir si l'individu ressort de l'autoroute. Ça va et toi? Oui, ça va. Ça va, ça va. Sur GTA. Sur le serveur Eternity EP. Et là, je suis en planque parce que j'attends un. Un mec qui a piqué une voiture de flic. C'est pas très très gentil ça. À tous les coups il arrive. Les coups c'est lui. Ah oui, je suis policier. Mécano. J'entends une sirène. Golf 4, vous êtes en code? Négatif. Golf 2. Golf 3, ça doit être. Non, c'est pas moi, ça doit être un médecin, certainement. Moi, je suis. Ou la dépanneuse. La dépanneuse des Montana Gros et une sireneuse. Si vous sentez quelque chose de bizarre, vous allez contrôler Golf 3. Ouais, ouais, non, mais je suis en planque sous le pont là, voir si jamais l'individu qui a volé la voiture de police ressort de l'autoroute. Ok, très bien. Bon, restez en planque alors. Intervention plus prioritaire. Toutes les unités, j'ai un indic qui m'a dit le suspect que vous recherchez avec la voiture de police, il est au commissariat de police. Je suis en chasse derrière lui. Confirmé, ouais, Golf 3, vous êtes derrière là? Affirmatif. Ok, très bien, j'arrive en renfort. Golf 3, vous êtes où? Il est derrière le commissariat là, Golf 3, concentrez-vous sur la poursuite. Il vient de passer devant le commissariat, il est parti direction est. Je soupçonne qu'il soit parti direction nord. Est-ce que vous confirmez, Golf 3? À l'est, oui. Vous êtes reparti direction nord peut-être? Nord-est. Ok, très bien. Oh putain, véhicule pop, ça va faire chier. Oh putain. Mon véhicule a disparu. Putain, ça me. Ok, j'ai le véhicule, il revient vers le commissariat, il vient de me heurter. Il repart direction du commissariat, direction sud. Il passe dans la rue derrière le commissariat. Putain, je suis bloqué, je suis bloqué. Je suis trop loin moi. Pour moi je suis trop loin.
J'ai perdu le véhicule de vue. Oui, pourquoi ton... vous faites quoi, c'est ma moto. Tu fais quoi? J'ai réquisitionné une moto, Goff 3. Ben, il est parti où? Je suis actuellement sur la partie sud de la ville, près de, des routes ferroviaires. J'essaie de repérer le véhicule, je pense qu'il est dans le coin. Affirmatif. Je suis Léon Chat, il retourne derrière le commissariat. Je répète, il retourne derrière le commissariat. Ok, c'est bien reçu. Okay, Golf 4, vous faites un retour au poste. Oui, vous restez au volant de votre voiture. Il passe derrière le commissariat, je répète, il passe derrière le commissariat en direction de l'est. Très bien, c'est noté, j'arrive. Il passe j'ai, à droite du commissariat. De Santos qui fait un appel, est-ce que je le prends? Devant le commissariat. Non, ne prenez pas. Ne prenez pas l'appel. Ok, devant le commissariat, Golf 4, devant le commissariat. Ok, ok. Je reste en retrait. Il retourne à gauche, sud, il reprend derrière le commissariat. Ok, je suis à littéralement 20 secondes de vous, j'arrive. À droite du commissariat, en fait il compte, il fait le tour du commissariat, je répète, il fait le tour du commissariat. Ok, très bien, Golf 4, vous vous mettez devant le commissariat, essayez de faire un barrage, ok, je viens de le voir passer. Ok, moi je suis à 9 km encore. Je suis avec Golf 3, revient, on est, revient, on est aux abords du commissariat. Oh mais il y a combien de voitures? Ok, vous utilisez les armes pour viser les pneus. Hein. Vous êtes derrière lui là, Golf 3? Là je suis en moto, Golf 1. Ah d'accord, c'est Golf 4 qui est là, très bien. Non, non, négatif, non, non, je suis à 7 km du commercial police. Très bien, l'individu prend l'autoroute, donc il y aurait deux véhicules qui auraient été volés. Les deux individus sont partis sur l'autoroute direction est, à côté du commissariat. Je suis derrière eux, ils sont en contresens de la circulation. Ah, moi, je suis à l'opposé de l'autre côté. Derrière vous en moto. Les individus sortent de l'autoroute, ils sont toujours direction nord, direction est, pardon. Je suis derrière, je confirme. Demi-tour sur l'autoroute, je répète, demi-tour sur l'autoroute. Ouais, ils repartent vers le sud, ils reprennent l'autre bretelle, ils retournent dans la ville. Oh, c'est n'importe quoi. Ça roule sur la voie ferrée, je répète, ça roule sur la voie ferrée. Individu bloqué. Individu mort. Ok, très bien, le deuxième. Bah, il est juste là. C'est José Don Santos. Attention, Golf 3. Ne bougez pas. L'individu est à terre. Je confirme, il est mort. Les deux individus ont été neutralisés. Ah, oh, je vous ai aidé. Ok, prenez le signalement du deuxième, là, derrière vous, Golf 3. C'est une blague. Prenez le signalement. Regardez bien ses vêtements. Aidez-moi. Prenez en compte la couleur de cheveux, la coupe de cheveux, s'ils ont des lunettes ou pas. Alors, veste beige, pantalon noir, cheveux bruns, lunettes, je ne sais pas, il a la tête dans le sang. Ok, très bien. Très bien. Ce monsieur, je confirme l'un des individus. Je confirme l'un des individus en impair beige. Et monsieur Dos Santos, c'est sûr. Mais je vous ai aidé. Je vous ai aidé, moi, les gars. Très bien. Sergent, je crois que. Oui. C'est celui qui est venu dans le commissariat pour vous mettre à terre. Oui, exactement. D'accord. La même coupe de cheveux, je confirme. Ok, très bien. Très bien. Très bien. Ce monsieur, je le crois. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux avoir sa carte d'identité.
Oh chaud, Sofiane, agent lapin en service, ça fait plaisir, lol. Bon alors je suis désolé le chat, hein, voilà, c'était une scène un peu du gros n'importe quoi. Ok, non, bon. Très bien, je crois que le monsieur qui était là avec les cheveux verts, l'individu, c'était monsieur Demet. Il me semble bien que c'était monsieur Demet, Maxime Demet. D'accord. Voilà, parce que j'ai reconnu sa coiffure et j'ai reconnu la couleur verte de ses cheveux. Très bien. On va faire un appel dépanneur, Golfe 3. Moi, je suis sergent. Est-ce que un... Évidemment, si vous entendez des voix, c'est que je vous ai bien arrêté, vous me tuez. Vous ne l'entendez pas. C'est une blague. Anthony, alors en fait, on t'a tiré dessus parce que tu m'as défoncé la gueule en fait. Donc, dans le coup de l'action. Ok, très bien. Le mien est encore en service. Reste calme, Anthony. Tu veux rester sur le serveur. Vous avez vérifié si celui-là fonctionnait toujours. Je vais vérifier, sergent. Très bien. Golf 4 pour information, vous avez entendu sur la radio, mais nous avons neutralisé les deux individus. On va faire un retour au poste pour débriefing. Ok, merci, j'arrive. Véhicule HH, sergent. D'accord, très bien. Bon, bah, est-ce que vous pouvez faire un appel dépanneur, s'il vous plaît? Bien sûr. Ouais, Anthony, franchement, là, on a parlé de toi tout à l'heure, reste calme. T'es un très bon joueur RP, mais en temps, tu peux être très impulsif. Si tu veux vraiment rester avec nous, ça me ferait plaisir que tu restes avec nous, reste calme. Dépanneur. J'ai bien vu, tu nous as aidé au début, y a pas de soucis, mais là tu vois, tu m'as défoncé, donc là tu m'as rentré dedans, donc enfin. Tu m'as roulé dessus en fait là. Personne pour la dépanneuse, sergent. Ok, très bien. Bon bah écoutez, on va faire un retour au poste, on va laisser les véhicules ici, tant pis. C'est pour aider la police. J'espère que d'accord, vous me comprenez en fait, bien. Oui, oui. Mais en fait, on va subtiliser mon véhicule. En fait, je vous explique, il y a le monsieur que vous recherchez m'a écrasé. Et en fait, comment dire, c'est ça, je l'ai vu sur la vidéo, parce que moi, je me rappelle plus rien. Et votre collègue, là, avec les cheveux foncés, là, il m'a, comment dire, il m'a pris mon tout. Donc, non, c'est moi, j'ai oui, été c'est moi qui j'ai pris vous le véhicule, je l'ai vu passer. Ah, excusez-moi, alors, vous m'avez pris le véhicule. Et moi, donc, j'ai vu le véhicule de la police, je l'ai pris. Et j'ai vu le monsieur, donc, je l'ai commencé à le suivre, parce que j'ai vu que la moto, elle était pas assez puissante, donc, je l'ai tapé dans tous les sens. Et sur la vidéo, j'ai vu que j'ai un peu bousculé votre collègue qui, bon, c'est que j'ai un peu bousculé et vous m'avez tiré dessus en fait. Alors que moi, c'était juste pour vous aider parce que. Oui, en fait, bien sûr, mais vous comprenez bien, monsieur Dos Santos, quand même, que vous avez subtilisé un véhicule de police sans en informer la police. Et nous, on se retrouve avec deux véhicules subtilisés par deux civils. On ne peut pas comprendre comme ça que vous êtes en train de nous aider. Nous avons pris. Donc, excusez-moi. Attendez, excusez-moi, j'en ai transmetté Golf 4. Je pense que l'individu qui est en train de faire des devant l'hôtel de police, c'était pour vous. Moi, je voulais bien faire, vous savez que en plus je voulais bien faire, c'est pour okay, ça que les deux cadets, deux cadets, vous allez le contrôler, vous le neutraliser. Bien sûr, pistolet paralysant si possible, sinon vous utilisez les armes à feu. Utilisation du 9 mm sur la voiture si vous en avez besoin. Allez, bim, on pète un carreau. Oh là là, c'est quoi ce soir? Et ce soir, c'est du. Pour n'importe où. Golf 4 est devant l'hôtel de police. Reçu. Qu'est-ce qui se passe, Golf 4? L'individu est parti en. Il était devant l'hôtel de police et s'est enfui. Il était devant l'hôtel de police. Et il est parti. Il l'a enlevé, je l'ai enlevé. Il est tout droit. Qui est en véhicule civil noir du concessionnaire. Je répète, parti en direction du concessionnaire. Ok, très bien, intervention. J'arrive en direction du concessionnaire. Il a tourné à droite du concessionnaire, je répète, il a tourné à droite du concessionnaire. Direction nord, Golf 3 Est, ouais, nord-est. Nord-est
Ok, je crois que je l'ai vu passer. Ouais, non, ok, non, vous êtes ouais, derrière non, lui, non. Je vous suis là. Je confirme. Putain, je l'ai reperdu de vue. Il est passé en dessous du pont. Il est monté, mais je crois qu'en haut, il a dû tourner à gauche. Je répète, il a dû tourner à gauche. J'ai perdu de vue. Je répète, j'ai perdu okay, de vue. Et... Ok, d'accord. Si vous le recroisez, essayez de bien garder le visuel et donnez les directions. Ok, merci. Le véhicule est de quelle couleur? Couleur gris métallisé. Le métallisé, ouais. Voiture de sport. Voiture de sport? Oh là là. On va jamais pouvoir la rattraper. Ouais, pour toi, ça a été très compliqué de le suivre, Charles. C'est Golf 2. Ouais, je comprends Golf 3. Vous n'avez plus de visuel? Non, là, je suis sur le pont, je surveille le. Il est devant le commissaire police! Il est devant le commissaire police! Très bien, Golf 4, vous le prenez en chasse et essayez de bien garder le visuel et de nous donner les informations au fur et à mesure. On revient au poste. Golf 3, retour au poste. Retour. Oh là là, les PNJ font de la merde devant nous. Partez dans le sud. Ok. Direction sud du commissariat. Il est passé tout droit, il est passé dans au sud. Ok, très bien. Vous avez toujours le visuel ? Non, négatif. Très bien. Vous êtes quelle couleur de véhicule, vous ? Noir. Très bien. Revenez au Golf 4, revenez au commissariat et essayez de prendre un véhicule de service. Je sens qu'il essaie de nous narguer, il va peut-être revenir au commissariat. Affirmatif, il passe à droite du commissariat, je répète, à droite, il est au commissariat, il s'est arrêté au commissariat. Non, c'est moi. Bon. Je t'ai dit quoi. On avait l'information, hein. Golf 4 étant en véhicule noir, vous changez de coup de véhicule, Golf 4. Ouais, c'est bon. Restez aux abords du commissariat, je suis pour ma part proche du concessionnaire, à côté de la banque. Golf 3, vous allez derrière le commissariat, hein, par l'autre entrée, vous vous mettez à l'autre entrée. Vous essayez de bloquer la rue si possible. Golf 4, vous restez en stationnaire au volant de votre véhicule devant le commissariat pour intervenir rapidement. Coupez les sirènes. Affirmatif. Ok, bien, ensuite. Dès que vous prenez en chasse, vous mettez les sirènes tout de suite. Je vois arriver Golf 2. Ok, très bien. Golf 3, mettez-vous plus du côté de la deuxième entrée du commissariat, celle qui est à ma droite. Voilà, parfait. Voilà, très bien. Restez ici. Soyez prêts à partir dans toutes les directions. Je ne suis pas sûr qu'ils reviennent, mais on ne sait jamais. Je crois que certains d'entre vous vont bientôt prendre leur fin de service. Non, moi je vais arrêter encore un peu, je vais arrêter. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tous changer de véhicule, parce que je ne sais pas si vous avez pris des dégâts, mais moi j'en ai pris sur le véhicule. Donc... Ok. du coup, on va changer de véhicule, on va prendre des véhicules tout neufs au cas où on ait besoin de réintervenir. Je voudrais qu'une unité patrouille très proche du commissariat. Donc, écoutez, ce sera vous, Macadams, d'accord ? Vous allez reprendre votre véhicule à l'arrière du commissariat et vous patrouillez aux abords du commissariat. Donc, pas juste autour du commissariat, dans les petites rues, mais pas très loin, hein, toutes les rues adjacentes. D'accord ? Ça marche, sergent, pas de soucis. Voilà. Rodriguez. Alors attendez, je regarde ma carte. Merci beaucoup, Americano, pour ton message. Très gentil. Bon, on essaye de faire au mieux. Alors, comme je Rodriguez, dis, ouais, vous allez prendre la partie sud de la ville. Donc vous allez aller. Vous allez prendre la direction sud et vous allez faire voilà, tout ce qui est la partie sud de la ville en dessous le commissariat. La partie en dessous le commissariat sur la carte. Et moi, je vais prendre tout le dessus. Je vais prendre toute la partie. Allez, c'est parti, intervention. Ok. Si vos véhicules ont pris des dégâts, vous en changez. Hein. Reçu. Ouais, si vous croisez le même type de véhicule qui est en train de faire fanfaron dans Los Santos,
Évidemment, vous faites un appel radio, vous utilisez votre arme, votre 9 mm, vous essayez tant bien que mal d'essayer de l'arrêter en tirant sur le véhicule, ne tirez pas sur l'individu même. Ne lui tirez dessus que s'il attente à votre vie. Hein. Reçu, Goffed. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de balle. Non, ça, c'est... Allez! Voilà. C'est pour ça que t'as j'ai merdé. Je vous autorise à utiliser le code 2 pour faire une patrouille plus rapide. Reçu. Comment on active le code 2? La touche G de votre tableau de bord, Golf 4. Ok, bien reçu. Ça ressemble à la voiture orange là-bas. Voiture rapide orange prise en direction concessionnaire. Très bien, on intervient. Golf 4, vous venez en renfort. Direction concessionnaire depuis le commissariat, Golf 3. Tout à fait affirmatif, il a pris l'autre. Il est parti à gauche du concessionnaire. Je répète, parti à gauche du concessionnaire. Très bien, vous l'avez toujours en visuel? Enfin, il est trop rapide, sergent, trop rapide. Encore un véhicule type sport? Tout à fait. Il est parti en face, ouais, à droite, là, à ma droite, ouais. Le reste dans les parages. Restez aux abords du commissariat, Golf 3, on sait jamais. Retourne en arrière. Toutes les unités, je répète, on a un véhicule type sport orange qui serait passé en excès de vitesse proche du concessionnaire. Et visiblement, il est parti côté sud. Je fais un tour côté sud-est par rapport au concessionnaire. Reçu. Golf 4, vous recevez? Toutes les unités, j'ai un véhicule sport devant le commercial police. Très bien, vous essayez d'intercepter. Est-ce qu'il est, il est reparti? Non, non. Il repart. Direction. Il est devant le commissariat, deux tours devant le commissariat. Oh là là! Ça va pas se passer comme ça, hein! Excusez-nous, monsieur, il y a le. Eh oh, 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 ma voiture, où est-ce qu'il va? Ah ouais, mais c'est les frères Jenkins en fait. Sors du véhicule! Ah! Oui, monsieur, n'inquiétez pas, monsieur de moi, n'inquiétez pas. Pistolet paralysant, hein! Sortez du véhicule, monsieur. C'est qui lui? Ah, par contre, vous êtes pas obligé de me braquer, hein. Braquer le procureur, c'est pas forcément une bonne idée, les gars. Hein. Rouler à toute vitesse en ville, c'est pas non plus prudent, hein, monsieur le procureur. Ah, mais non, mais c'est parce que j'ai entendu un gros bruit, donc je me suis dit, bon, bah, on va aller voir, on va servir de témoin. Et donc, bah, voilà. Ah, ouais, mais attendez, monsieur le procureur, depuis tout à l'heure, vous roulez à toute vitesse à l'entente, vous croyez que c'est raisonnable? Ah, ouais, bah, vous savez, je ne fais que tester les performances de ma voiture, on va dire. Bien sûr, bien et puis, sûr. Vous savez, les gens sont un peu lents. Hein. Non, mais vous croyez que c'est. Franchement, monsieur le procureur, vous croyez que même si vous voulez tester votre véhicule, vous croyez que c'est très raisonnable de faire ça à Los Santos alors qu'il y a des circuits exprès pour ça? Mais le problème, c'est que les circuits sont fermés. Donc, s'ils étaient ouverts, à la limite, je pourrais aller tester là-bas. Eh ben, faites le nécessaire, monsieur le procureur, pour pouvoir ouvrir les circuits. Je pense que vous avez le bras assez long pour le faire.
Ouais, j'ai fait les demandes, mais bon, vous savez comment est le gouvernement. Hein. Ah, mais ça, c'est vous qui gérez tout ça, monsieur le procureur. Je gère pas les circuits de Los Santos. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait de vous, monsieur le procureur? Ah, bah, vous faites ce que vous voulez, hein. Bon, ne quittez pas, je vais demander l'avis au sergent. C'est lui qui prendra plus l'initiative de faire quoi que ce soit avec vous. Que nous, en tant que cadet. D'accord? Ouais, je me doute. Est-ce que vous pouvez au moins... Non mais je comprends bien monsieur Durail, est-ce que vous pouvez le garer sur le parking visiteur s'il vous plaît du commissariat? Ah bah là... Regardez-moi l'autre con là derrière. Grille le feu. Bah attendez, je vais le bouger. Allez, allez le bouger. Cadet, venez avec moi s'il vous plaît. Ça va être très compliqué, sergent. Ah, attendez. Monsieur Jenkins? Bonjour sergent. Ouais, bonjour. Alors... Comme ça, on s'amuse avec son véhicule. Bah, comme je le disais à votre cadet, malheureusement, les circuits sont fermés. Donc la ville me paraît un bon circuit. Eh bah, je vous l'infirme, Los Santos n'est pas un circuit. Il y a des civils qui... Moi, je suis pas trop ont usagé de la route et qui risqueraient d'être blessés à cause de vos envies de tâter de la piste. Et c'est mais pas un lieu pour non, faire ça. Hein, j'ai un permis de pilote expert, hein. Regardez ma voiture, il n'y a pas une seule trace. D'accord, oui. Je me doute qu'avec votre position de procureur, vous avez accès à certains privilèges. Potentiellement. Potentiellement, très bien. Rodriguez? Ouais. Vous allez accompagner monsieur Jenkins en cellule. Je vais voir avec lui d'ici quelques minutes quand j'aurai terminé avec monsieur Durail. Ok, merci. Oh, pardon. Pardon. C'est un spasme. Ah, bien, c'est bon. C'est bon. Repos. Allez-y, Rodriguez. Accompagnez monsieur Jenkins. Si vous pouvez être plus rapide pour rembourser ma voiture, ce serait bien. Ah bah écoutez, on fait ce qu'on peut, monsieur Durail, là, il y a beaucoup de choses à traiter en même temps. Monsieur Jenkins, je vais vous demander de suivre mon cadet, et rapidement. D'accord. Allez-y, et j'arrive tout de suite. Je crois que le cadet doit plutôt accompagner... Oui, non mais le cadet va accompagner monsieur Jenkins s'il veut bien... Attendez, deux petites secondes, je règle mes yeux, enfin mes lunettes. Golf 4 pense très fort à H6 et à compagnie. Ah putain. Gardez la tête, monsieur Durail. Bah, j'ai un petit souci. Avec. N'arrivez pas à le démonoter? Non. Ma vie, hein. Écartez-vous, Rodriguez. Mais il y en a un qui a le même manteau que moi. Allez-y, monsieur Jenkins, suivez le cadet Rodriguez. Golf 4, vous gardez en visuel, vous restez avec lui. J'ai moyennement confiance. Passez devant moi. Voilà. Très bien. Alors, Macadams, on a un petit souci apparemment. Monsieur Durail était arrêté au feu qu'il y a ici, en face de moi, et apparemment, vous lui serez rentré dedans avec votre véhicule de service. Monsieur Durail exige qu'on lui rembourse son réparation. Est-ce que vous me confirmez, cadet, que vous n'aviez pas les gyrophares quand vous êtes arrivé? Ah si, j'avais les gyrophares, Charles. Ah bah écoutez, vous les avez éteints avant de sortir du véhicule? Parce que si vous êtes en intervention, les gyrophares doivent rester allumés. Or là, ils sont éteints. Oui, non mais Monsieur Durail, merci, je pense que le cadet connaît ses missions, vous inquiétez pas. Le problème qui s'offre à nous là, cadet, c'est que votre véhicule, comme on le voit derrière moi, n'a pas les gyrophares allumés, hein, effectivement. Bon, moi, j'étais pas sur place au moment où ça s'est passé, donc voilà, je ne peux pas dire. Donc, on va faire remonter cette affaire au gouvernement pour voir ce qu'ils en disent. Je pense même que le procureur Jenkins, qui d'ailleurs devrait être un témoin, pourra élucider l'affaire, je pense. Le problème, monsieur Durail, c'est qu'on peut pas vous faire un remboursement illico presto, hein, vous le comprenez bien.
On Ah peut bah pas ouais, user en de plus nos sachant que ma propres voiture comptes elle en coûte banque. un petit bras et que les dépanneurs ils demandent un petit bras aussi Ah bah je... J'imagine pour bien. la réparer. J'imagine bien, monsieur Dureuil. Donc elle va falloir Comprenez bien ressortir un que peu c'est d'argent. assez compliqué. Oui, mais comprenez bien que c'est assez compliqué de régler ça à la minute. Je vais en référer à la commissaire, je vais en référer au gouvernement Je vais prendre des et photos la moi. suite. Attendez. Même plus les Ouais, salariés. prenez des Je vais photos et prendre quelques n'hésitez pas à prendre des photos, photos, vous avez tout monsieur. à fait le droit. Allez-y. Bon, je vous remercie. Et je pense Je vous activer en une prie. GoPro, enfin une dashcam dans Oui, pas longtemps là, parce mais qu'il y en je a pense marre que de se c'est faire mieux. rentrer dedans. Je pense que c'est mieux. Ben, on Mais reprend contact nous. avec vous sous peu. Bien. Cadet, je vais. Je Voilà, dois vous allez-y, laisser, monsieur Dureuil. j'ai un appel Oui, taxi. allez-y. Merci, au revoir. Allez, au Allez-y, au revoir. revoir. Moi, Bon, c'est cadet, Jean-Jean, il dites-moi. m'insupporte, Jean-Jean, il m'insupporte. Dites-moi, dites-moi. Maintenant qu'il n'est plus là, dites-moi. Et c'est quand même inadmissible que ces gens-là se osent, regardez comment ils roulent, regardez comment ils roulent. Et ça ose nous donner des remarques, donner des Ouais, je conseils. comprends. Par contre, c'est pas contre vous, mais est-ce que effectivement vous lui êtes rentré dedans? Oui, non, mais je confirme ça, Jean. Voilà, dans la précipitation, le D'accord. cadet de mon collègue a fait un dérapage devant moi, j'ai dû l'éviter. Et voilà, malheureusement, je suis rentré dans Monsieur Duroy. Je le confirme, hein, je le cache pas, sergent. Il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, Si je bon. dois avoir, si je dois avoir En tout une cas, Allez, oui, vas-y. en tout cas, si vous assumez au moins le fait que vous voulez être rentré dedans, c'est déjà un bon point. Par contre, là, le problème, Cadet, c'est qu'effectivement, sur votre véhicule, les gyrophares sont éteints. Donc, est-ce que vous les avez coupés en descendant de votre véhicule? Oh, je vais être honnête avec vous, sergent. Il met vraiment en doute. Il me semble que j'avais les gyrophares. Parce que quand le cadet a fait appel à la centrale que le véhicule était devant le commissariat, je vous dis, je suis pas sûr à 100% du coup, mais il me semblait bien avoir mis les gyrophares. D'accord, ok, très bien. Écoutez, je vais être obligé, Merde. hein, de mon statut de sergent, je vais être obligé du coup de faire une fiche d'intervention, d'accord? On réglera certainement ça avec la commissaire demain. Moi, de mon statut de sergent, je ne peux pas prendre de décision quant à cette affaire. On va rendre nos comptes et puis ce sera la commissaire de décider de ce qui se passera par la suite. Pas de soucis, sergent. Moi, je prends toutes mes D'accord? responsabilités, j'ai rien à cacher, j'assume toutes mes responsabilités. Il n'y a pas de soucis, sergent. J'en attendais pas moins. J'en attendais pas moins de vous, Macadam. C'est très bien. Bon, écoutez, on va garer les véhicules parce qu'ils sont un petit peu mal garés Ouais, là. tout à fait, ouais, ça marche. Ouais, j'avais le 43, moi. C'est bien qu'il y ait le numéro, ouais, c'est le mien celui-là en plus. Et que je les ai coupés. Merci Mericano, mais franchement j'ai un doute du coup, je sais plus. Mais bon, je peux pas dire à mon sergent, ouais, sur mon live, on confirme que j'avais les gyros. Par contre, sergent, je ne prends pas la responsabilité de conduire Allez, l'engin, retour au monsieur. poste, cadet. Merci. Non, laissez-le là, voilà. Je voudrais pas qu'on attire les foudres encore plus. C'est gratuit le ré? Golf 4, on arrive avec Golf 3. Monsieur Jenkins. Oui. Je pense que vous savez pourquoi on vous arrête. Je Le pense que vous êtes déjà RP c'est expliqué, je pense gratuit, que il vous faut êtes au courant de payer ce ou que vous avez installer fait. un logiciel. Non, non, c'est alors tu t'achètes bien entendu Non, pour pas avoir vraiment, mais bon. Bon bah je vais vous rafraîchir la GTA. mémoire, on a eu une Et intervention ensuite il faut qui a été télécharger et déclenchée installer par un de mes 5M. cadets en disant qu'un véhicule type sport de couleur 5M. orange conduisait comme un fou aux abords du commissariat. On vous a pris en chasse, on vous a certes perdu de C'est vue, mais gratuit. vous êtes revenu au commissariat et les cadets ici présents ont réussi à vous immobiliser ou alors vous vous êtes arrêté de votre plein gré. Je vous avoue que j'ai pas tout suivi. Mais en tous les cas, on a donc deux témoins oculaires sur le fait que vous avez conduit dangereusement dans les villes de Los Santos. Vous m'avez même confirmé tout à l'heure en disant que les pistes, Il apparemment les parle circuits super étaient bien. fermés et que vous aviez besoin de voilà, tâter un peu du bitume. On est bien d'accord? En effet. D'accord. Donc vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés, monsieur Jenkins? Ouais, mais je demande quand même un avocat.
D'accord, bon bah avec votre statut de procureur, je pense que vous allez pouvoir vous en procurer Me un assez défendre facilement. moi-même, en effet, oui. Voilà. Très bien. Bon bah écoutez, on va faire une fiche d'intervention. Vous allez quand même faire la garde à vue qui est prévue pour les délits que vous avez commis. Ah bon? Ensuite, on verra pour les amendes, du coup, si vous vous serez défendu comme il se doit. Après, la garde à vue, je pense que j'ai déjà faite là. Ça fait quand même déjà un petit temps que j'attends. Attendez, je vais vérifier, hein, je connais pas le code pénal par cœur. C'est 15 minutes, Golf, allez-y, allez-y. 15 minutes. Très bien, merci Macadams. Donc on va dire que vous avez déjà fait au moins 5 minutes. Il vous reste donc 10 minutes de garde à vue. On va faire la fiche d'intervention et on revient, Monsieur Jenkins. Allez-y, allez-y. Ah, Allez, profite venez, du sol. cadet. Après, ça dépend pour quel article on prend, sergent, si on en met plusieurs articles aussi. Conduite dangereuse. Conduite dangereuse. Et puis, je Délit ne de crois pas fuite. qu'il ait fait de. Oui, délit de fuite, oui. Conduite dangereuse et délit de fuite, oui. Donc, ça vaut bien le. Je pense que ça vaut bien les 15 minutes de garde à vue. Alors Et pour destruction de matériel. Les dégâts de matériel, oui, tout à fait. De toute façon, moi je vais bientôt prendre ma fin de service, donc on va pas le garder non Moi plus c'est pareil. éternellement. Alors, pour tout ce qui s'est passé ce soir, bon écoutez, venez, on va en salle de briefing, on sera quand même beaucoup mieux si quelqu'un arrive. Qu'il est déjà minuit 10. Vous vous rendez compte quand même qu'avec tout ce qui s'est passé ce soir, j'ai pas eu le temps de fumer une seule cigarette. Hein. Je crois que ce boulot, il va me faire Moi arrêter c'est de fumer. pareil. Je crois que c'est pas plus mal. Hein. Alors attendez, excusez-moi, il faut que je boive un petit coup. C'est pour votre santé, sergent, la cigarette. Ouais, bah, écoutez, ne pas prendre de pause, par contre, c'est un peu contre ma santé aussi. Donc, je vous avoue, c'est un peu à double tranche. Bon. Donc, pour tout ce qui s'est passé ce soir, je tiens à attirer votre attention sur le fait que vous avez bien réagi aux directives de votre supérieur. Je tiens à saluer votre professionnalisme malgré les affaires compliquées qu'on a eues. Il y a eu des petits ratés, de ma part aussi, d'accord? Donc, c'est tout à fait normal. On n'est pas encore habitué à beaucoup intervenir de façon efficace et rapide. Je vous invite donc à régler votre radio pour que vous puissiez parler à la radio tout en conduisant sans que ça vous voilà sans que ça bloque votre conduite parce que c'est assez compliqué de conduire à une seule main quand on doit appuyer sur le bouton de la radio. Essayez de trouver la logistique qui vous conviendra le mieux. Donc je conçois que c'est compliqué d'intervenir, de donner des directives, de donner des informations, mais c'est très très important. Je tiens quand même à rappeler que lorsqu'on prend en chasse un véhicule, un suspect, hein, tout du moins, qu'il soit à pied ou en véhicule, on donne tout de suite les informations à donner en priorité. La direction du véhicule, ça c'est la première information à donner. Comme ça, on peut intervenir, commencer à intervenir et commencer à se déplacer sur l'intervention. Ensuite vient le signalement de l'individu, donc l'individu lui-même ou Non, 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 le personne ne véhicule m'entend. qui est Il en ne m'entend fuite, pas. pour Ou qu'on ait j'appuie sur toutes les les boutons pour qu'il informations m'entende. disponibles pour pouvoir intervenir efficacement. Non, je suis sur PC, gamin. L'unité qui prend en chasse le véhicule est Et l'unité bonjour. donc prioritaire sur la radio. D'accord? Donc si vous avez des informations à communiquer, pardon, je suis assez fatigué, hein, la nuit a été très longue. Si vous avez des informations à communiquer, vous laissez en priorité l'unité qui a pris en chasse le suspect. Quoi d'autre? J'espère ne rien oublier. Je crois que j'ai fait à peu près le tour pour faire un compte-rendu de cette soirée qui a été assez mouvementée. Je tiens quand même à rappeler une autre fois que vous avez été exemplaire ce soir. Surtout concernant les deux individus qui avaient volé les véhicules de police. Macadams, vous avez très très bien gardé les deux véhicules en chasse. Vos informations à la radio m'ont permis de vous rejoindre et m'ont permis de neutraliser le deuxième individu. Donc on peut dire que cette affaire a été réalisée avec succès. Golf 4, très bonne réaction, hein, très bonne réaction par rapport aux directives que vous donne votre supérieur.
Évidemment, j'en référerai à la commissaire du bon déroulement de cette soirée, malgré les petits couacs auxquels on a eu affaire, problèmes de logistique et problèmes d'effectifs, effectivement. Voilà, messieurs, est-ce que vous avez des choses à dire en conclusion de cette soirée? Pour Pour ma moi, part, vas-y, calé. bah, pour ma part, ce serait bien d'avoir dans le futur un hélicoptère en appui. Tout à fait, Golf 4. Je suis complètement d'accord avec vous et je crois même qu'on en avait discuté hier, il me semble. Et de toute façon, à l'absence de la commissaire, pour l'instant, on ne peut pas trop faire remonter C'est ce information, genre ouais. d'informations. Voilà. Donc, dès que la commissaire revient, et je crois qu'elle revient demain, oui, c'est ça, elle revient demain, on pourra. N'hésitez pas, si j'oublie, hein, Rodriguez, n'hésitez pas à en référer à la commissaire. Pas de soucis. Très bien, Et je Macadams? pas et ouais et là ma Kadé, il parle de l'hélicoptère et moi je parle aussi pour avoir une moto. Je pense que Ah, aussi une une moto, moto ouais. assez rapide, ça peut être pas mal pour les pour Ça pouvoir passe suivre les partout. véhicules sportifs surtout. Tout à fait. Tout à fait, j'appuie totalement vos requêtes. On va donc faire, on va faire donc ces demandes-là auprès de la commissaire, comme je vous ai dit, à partir de demain. Et on espère du coup que le gouvernement accédera à nos requêtes. Il faut espérer, oui, tout à fait. En tout cas, c'était une soirée très très intense. Oui. J'en attends pas moins, j'en attends même un petit peu plus de vous pour les prochaines interventions. Plus on aura d'interventions, plus on sera efficace. J'espère que ça va aller, qu'en s'améliorant pour moi aussi, hein, bien sûr. Tout à fait, Sergent. Et vous avez été très exemplaire aussi, Sergent. Vous nous faites des compliments, mais c'est à nous aussi de vous faire des compliments Ouais. pour votre sang-froid et nous orienter sur les bonnes voies. Très bien, bah, j'apprécie le compliment. Merci, Cadet Rodriguez, Cadet Macadams. Pour ma part, je vais prendre ma fin de service. Vous pouvez disposer. Ça marche. Moi, Et c'est pareil. du coup, pour Monsieur Jenkins, on va peut-être pas le laisser pour la nuit. Monsieur Jenkins fait sa garde à vue. Monsieur Jenkins fait sa garde à vue et vous pouvez le libérer, Macadams. D'accord, ça marche. Étant donné que vous allez être la seule unité là qui va rester, ne vous aventurez pas dans des entreprises périlleuses, Macadams. Non, il n'y a pas de souci, sergent. Je vais taper mon rapport et après, je pense que je vais aller. D'accord. Votre vie avant tout est la vie des citoyens de la ville, mais ne vous mettez pas en danger pour pas grand-chose. Reçu, sergent. Je veux vous retrouver en bonne santé demain. J'ai besoin de mes effectifs. Très bien, messieurs, bonne soirée à vous. Merci à vous aussi, sergent. Bonne soirée. Sergent. Oui, dites, cadet. Aussi, quoi, c'est. Enfin, après, demandé par le gouvernement, quoi, la commissaire, quoi, faire une unité aussi en tant que civil. Oui, Ça fera oui, plus oui, oui. discret pour s'infiltrer. Bah, bateau, ouais, C'est bah, une idée bateau, ouais, je que pense j'avais que. déjà depuis un moment. Je sais pas J'attends s'il y aura surtout que la moyen. coordination de tous nos effectifs soit bien affinée, bien polie, qu'on soit vraiment efficace sur le terrain, parce que là, on n'a pas encore assez d'entraînement. Une fois qu'on sera vraiment Bonjour efficace sur le monsieur. terrain, Comment monsieur, bonsoir. Si vous arrivez. on pourra en reparler, je Bonsoir. pense. Ouais. Eh ben je suis Ok, comment vous ok. connaissez pas, je suis monsieur de Santos, je vais vous Juste pour présenter mon information, est-ce que acolyte. vous seriez prêt à remplir ce rôle, Rodriguez? On travaille ensemble. Si je Allez-y, pourrais dis-moi. casser la gueule, je lui casserai la gueule. Attendez, qu'est-ce qui se passe Ok. là? C'est quoi? C'est une réunion de super voix aussi au commissariat ou bien? Non, prenez les personnes en Non, moi costard, on va vous faire enlever. je viens réclamer mes Prenez les 30 000 personnes en dollars que vous me costard. devez. Attendez, monsieur Durail, je vous en prie, vous pouvez patienter s'il vous plaît, là, il y a les Ah médecins ouais. qui sont arrivés avant vous. Ouais, je. Bah, Non, nous mais attendons, prenez-les, c'est vous qui nous nous c'est avez pour posé la autre chose, question? prenez-les. Nous c'est pour autre chose, prenez-les, nous sinon on va Ah, voir ça va. le sergent, allez-y, excusez-nous. C'est pas grave, excusez-nous. Tu veux un coca, Ivan? D'accord, attendez, quittez pas. Merci. Que ce soit des civils en qui Voilà. vous avez confiance ou non, donnez plutôt votre indicatif si ces personnes demandent votre identité. Ok, bien compris. Sergent. D'accord. Allez, bonne soirée, messieurs. Oui? Merci de même. Excusez-moi de vous déranger, il y a monsieur Dureuil là qui réclame ses 30 000 dollars. Ok, très bien. Macadams? Macadams? Oui. Allez libérer les détenus. La Ça marche. commissaire. Je m'en branle, la commissaire. Monsieur Durand. Je vais boire un coup, c'est. Putain, mais mon bonhomme, il arrête pas de boire. C'est pas possible, toi.
Cocoulo. Bah du coup Cocoulo. Cocoulo. Alex Ray. Monsieur Jenkins. Oui, cadet. Allez-y, vous pouvez sortir. Ah, bah il était temps. Ah, bah il fallait bien qu'on fasse notre rapport. Hein. Allez-y, vous pouvez sortir. Ah, ouais, bah ouais, je me doute. Hein. Par contre, monsieur Jenkins, je vous invite à l'avenir de rester calme sur la route et ne pas abuser de votre super bolide. Ah, mais si c'est pour avoir un super bolide, autant s'en servir. Hein. Oui, non, mais je comprends très bien, monsieur Jenkins. Mais comme je vous ai expliqué, faites ça, au pire, faites ça sur l'autoroute, mais pas en ville, monsieur Jenkins. Vous voyez bien que vous pouvez mettre en danger les citoyens. Non. En ville, c'est bien, monsieur, parce qu'il y a plus d'obstacles. Je prends bonne note. Oui, mais... Je note donc bonjour, du coup les frais que vous avez dû payer pour la réparation de votre véhicule. J'en réfère du coup à la commissaire. On va devoir reparler. Ah, bah parfait. Voilà. Ouais. Voilà, merci parce que je vais devoir prendre ma fin de service. Je fais suivre tout ça, monsieur Durand, ne vous inquiétez pas. Merci bien. Messieurs, bonne soirée à vous.